c'est déjà le moment que l'on préfère le plus, celui où on retrouve la famille Bedacton qui est encore endormie alors que le matin s'est levé. Ah, Amalia est déjà debout? Qu'est-ce que... Allez aux toilettes. Ah, les petites se lèvent, mais il n'y a plus rien à manger. Bon, moi, la majordome fait le ménage. Hein, c'est déjà bien. Allez, bonne journée, les filles, dans vos superbes tenues très adaptées. Bonne journée, les jolies. Comment vas-tu, ma chère Faith? Tu es bien réveillée? T'es de bonne humeur? Est-ce que tu penses que... Tu vas demander une vraie sortie avec le chaperon et Carlos? T'as bien plu, Carlos, non? Oh, il te plaît bien, Carlos Santos. C'est, voilà, le jeu fonctionne très bien. Courtisé, intérêt réciproque. On peut peut-être caser la demoiselle, hein, pour aujourd'hui, je veux dire. Bon, hein, ça va, il est beau, il est bien né, ce garçon. Notre ami George, quand est-ce que... George va devenir un jeune adulte. Allez, let's gong. Est-ce qu'on a un petit gâtal dans le frigal? Parce que va falloir lui fêter son anniversaire. Oui, nous en avons même deux. C'est incroyable du fion. Donc c'est une bonne nouvelle. On va réunir un peu la familia la plus proche. Dans ce qu'on peut faire en mercredi à 10h du matin. Hein. 13 000 du domaine de Brindleton, ça c'est cool. Pour fêter l'anniversaire de George qui va rentrer officiellement dans le monde. Et puis peut-être se trouver une jeune demoiselle avec qui se marier. Peut-être ou peut-être pas, on sait pas. Ce sera lui qui verra. Alors, Andrew, tu es prêt à devenir une nouvelle fois papa? Est-ce que tu penses que cette fois-ci, t'as mis la bonne graine? Parce que on commence à s'impatienter, nous. Hein. Pour l'instant, la pauvre, elle est encore en train de dormir. On va la laisser tranquille. Elle fait une de ses têtes. Elle est crispée, hein. La belle Amalia est réveillée. Allez, ça va pas tarder. Je sais plus à quelle heure, hein, mais moins de 24 heures, ça, c'est sûr. Hein. Je crois même déjà à 3 barres du pipi. À mon avis, ça va vraiment pas tarder cette histoire. Hein. Pendant que la petite dernière, Chelsea, se fait nettoyer le cul par la majordome. Non, c'est pas buggé. Enfin, c'est toujours buggé, on va dire. Va pas aux toilettes là, parce que ça va pas me vouloir marcher. Il y a d'autres toilettes. Je sais pas où, parce que c'est tellement grand que j'arrive pas à m'habituer à cette baraque. Il y a trop de poches, on pourrait chier dedans. Mais regarde, il y a une toilette là. Et pourquoi tu vas pas à celui-là, Amalia? Je sais déjà que la petite barre, la rouge... Ouais, c'est parce qu'il est illégitime, George, hein, pour changer, hein, comme d'habitude. Oh, Amalia qui lit une petite histoire à sa fille, c'est trop mignon. Tu t'es pas chié dessus, gamine, parce que tu pues, là. Au lieu de lire une histoire, tu ferais mieux lui changer le fion, hein. Je pense que ce serait peut-être mieux. Ça marche pas. Oh non, c'est toi qui pue? Écoute, qui c'est qui pue? Non, c'est le pot. Mais c'est vrai que ce pot, il a jamais été nettoyé. Astiqué. Il faut une poubelle. Oh là là. Oh bah il y a Charles qui veut passer. Bien sûr Charles passe. On va faire l'avènement tout de suite pour l'anniversaire. Et c'est bien. Il est déjà 14h30 quand même. Il s'est passé beaucoup de temps pour rien faire. Allez, on s'habille. On est tout beau, on est tout fier. On est tout prêt pour l'anniversaire de George. Et salut Charlou. Toi aussi tu étais bien habillée. Oh j'en ai marre d'embarquer les pots de fleurs, je vous jure. Comment il va Charlouz? Ouais, vas-y, ramène tes copines. Le club de théâtre, on s'en fout, on n'y va pas. Oh, Amalia, t'es magnifique. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Bon, j'aimerais voir... Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans la chambre? C'est pas possible, c'est un bordel sans nom ici, quand même. Alors, racontez une histoire dramatique. Voilà. Elle est partie prendre son bain dans la chambre de son fils, c'est logique. Abigail. Fais-moi voir ta copine. Ouais, elles sont ravies, les petites. La princesse est là. Sarah aussi est là. Bryce est là. C'est génial. On a invité toute la famille. Hein. Où est-ce qu'elle est, ta pote? Elle est dans un fourré. Elle va se planter au moment où on s'attend le moins. Hein. Elle va nous sauter dessus. Elle va nous vampiriser notre fortune. Pourquoi ils montent aussi l'escalier, ces gens-là? Mais George, j'ai pas l'heure de dormir, mon garçon. Viens ici. C'est toi en l'honneur, là. Alors, les femmes et les enfants vont s'asseoir et les hommes vont suivre. Ah, Sarah et Bryce attendent encore un bébé. Punaise, ils s'arrêtent pas, ils connaissent pas la contraception, hein. Non, ils connaissent pas. My bad, c'est pas Sarah, c'est Darla. Punaise, moi je les confonds les deux. Mais c'est deux brunes, hein, cherchez pas. Hein. Regardez, ils sont tous là. Oh, il y a même D'Artagnan qui est venu, magnifique. Je vous jure, j'ai un mal fou à les faire tous rester dans cette salle à manger. C'est une dinguerie. Joe Baba.
Je sais pas comment on fait pour la jarter. Regardez-moi ça, continue à mettre cette saloperie, crier sur. Non, non, ouais, t'es contente, mais alors pas moi, hein, je te l'ai direct. Hein. Amical, je sais. Demandez de partir. Voilà, let's go, Abigail, fous la dehors. Ah bah voilà où ils étaient, tous mes invités. Bon, allez, dans la salle de jeu. C'est bon, ils font une contre-soirée. Tout le monde va dans la salle à manger. Bah moi, j'ai presque réussi. George. George, on sait. Ah, c'est bon, George arrive, parce que là, ça devient n'importe quoi. Hein. C'est bon, George arrive. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi son aspiration? Lui, c'est le roi de la fête. Très bien. Bon anniversaire, George! Oui! Un jeune homme à marier, de bonne famille, des Bridgerton. Incroyable. Donc, on va lui remettre truc de la fête. Là, je sais même plus, c'est dans popularité, c'est ça. Il était donc bien élevé, et ainsi que élève brillant. Il sera 1, 2, 3. Généreux. Oui, super. Tu es généreux, bravo, c'est la fête à la staflette. Tu vas pouvoir partager le gâteau. Et c'est bien, la famille était là, c'est n'importe quoi par contre, hein. C'est un vrai bordel. Alors mon Georgie, oh là là, qu'il est beau, il va en faire tourner des cœurs. Hein. Ça va être notre Colin Bridgerton à nous. Hein. Oh non, mais tu faisais quoi là? Ah, t'étais en train de voir te laver, aller aux toilettes et tu t'es pissé dessus, Amalia. Oh là là, c'est les affres de la grossesse. Bon, en tout cas, tu t'es pissé dessus et pas avant. Donc peut-être qu'une grossesse différente fait que ce soit enfin un garçon. C'est la meuf qui lâche pas la paire, quoi. Bon, c'est pas grave, ils ont tous envie de jouer, ils vont jouer et puis c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe les deux, là? Vous allez nous faire un gosse encore, hein? Sur le fauteuil, là, sur la table? Bon, allez-y, moi. Moi je filme, ça me fera de l'audimat. Alors Bryce, ça va bien mon gars? Tu sais, dans la galaxie, et tu es mon super frère. Et toi t'es un garçon, donc tu devrais peut-être hériter du domaine si j'arrive pas à en avoir. Parce que là c'est galère. Je mets pas les bons chromosomes au bon endroit. Voilà, la fête d'anniversaire est terminée. Salut Charlou. Salut. Comment elle s'appelle déjà? Grace. Oh là là, oh regardez-moi ça. Eh, on a de la qualité à la maison. Hein. Ça rigole pas. J'avais envoyé George un peu se reposer dans le canapé parce que clairement il est fatigué. Mais son frère va l'emmener peut-être au pub. Parce que j'ai installé un pub quand même dans la map et on n'a toujours pas été. Parce que c'est un pub spécialement pour les hommes. Forcément, bon. Et Andrew, il va aller déniaiser notre ami, son petit frère, au pub ce soir. Parce que bah, c'est un jeune adulte, donc c'est le droit de passage. C'est mieux ça que le droit de cuissage. Allez, mon petit George, tu te remets en forme. Et puis après, on va au pub. La famille a bien changé, hein, quand on voit ce que c'était au début. Bon, bien sûr, c'est une peinture faite dans les Sims, donc absolument à chier. Avec des gros pâtés à la place du détail, non? Mais ouais, ouais. C'était ça avant. Il y a longtemps, quand même. Bon, après, il manque un enfant, mais on dira pas. Bon, bah super, ils commencent à être tous malades les uns après les autres. Ça va être un plaisir. Oh là là. Bon, ça y est. Bon, faites pas attention, il y a une toilette qui est cassée, hein, comme d'hab. Hein. Peut-être qu'un jour, il sera réparé. Let's go, on va au pub, les garçons. Allez, let's go. Nous voilà au Mondrin Chen White's Club pour hommes. Ouais, c'est sympa, hein. On va aller déniaiser notre petit frère. Alors, voilà, il y a déjà des meufs, alors bon, normalement, on va dire que c'est des filles de joie, hein, parce que bon, normalement, il n'y a pas de filles, hein. Non, ouais, ça va aller. Ok, ben, let's go. Donc, il y a un bar en bas et un bar en haut. On va aller en haut, parce que c'est là où il y a... Bah, où il y a quelque chose... Oh! Chez le prince! On peut voir, peut-être, se faire pote avec le prince, qui sait. Ah ouais, ils ont même prévu les chambres pour faire des galipettes. Eh, c'est pas mal, non? En vrai, c'est pas mal. George? Non? Non, George? Voilà. Oh, bah, même pas besoin de lui dire trop, il comprend. Va boire un coup. Regardez-moi toutes ces demoiselles. Allez, viens t'asseoir. On a de l'ambiance avec une pianiste. Il y en a des meufs, hein. Il y en a des meufs. Et une réputation extraordinaire pour George, bien sûr. Attendez, le prince Philippe qui s'installe à notre table. Comment c'est? C'est n'importe quoi. En plus, on veut pas lui parler. Tenter de se présenter. Ah ouais.
on est quand même censé se connaître un peu. Parce que on a quand même... sa sœur, c'est un peu notre belle-sœur. Enfin, voilà, ils font les groupies et tout, c'est super. Elle te plaît, la petite Sonia, mon petit George? Elle a expérimenté, mais... Se plaindre d'être illégitime. Non, mais c'est bon, je ne vais pas te plaindre d'être illégitime. Elle s'appelle Bezer. Ça annonce la couleur, non? Mais non! Mais Andrew! Oh, la honte, il s'est pissé dessus! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai dit d'aller aux toilettes! Non, tu veux pas regarder? Oh là là, membre d'un groupe de potes. Ouais, si tu veux. Mais va te laver, mon... Oh là là, mais Andrew, mais la honte sur la famille! Va prendre un bain là-haut. Pendant que ton petit frère discute. Oh, dis donc, madame, vous avez un ventre très très bas. Mais genre vraiment très très bas, oh la vache. Mais Andrew, pourquoi tu t'es pas lavé? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais va te laver, mon gars. Attends, il y a une douche. J'avais pas fait attention. Va te prendre une douche. Mais je lui ai demandé d'aller se laver. Comment ça, tu peux pas? Mais pourquoi tu pourrais pas? Ah, dis-moi pas qu'ils ont fait un truc... qu'ils ont bloqué. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Il peut pas. C'est bloqué pour le personnel. Oh non, mais c'est abusé, hein. Ah bah tant pis, on va trouver un toilette. Voilà, ici, tiens. Va te laver les mains, les dents et tout. On fera ce qu'on peut. Bon, il y avait une salle de bain juste à côté. Mais bon, au moins l'évier, ça marche bien. Et il pue à moi. Bah non, mais George, t'avais une nana, là. Elle est partie? Elle s'est déjà barrée? Elle dort. Non, mais la vache, elle était là il y a 2 secondes. Bon. Ça va aller mieux, mais bon, de toute façon, il va être 5h du matin. Donc, il faut qu'on assiste à la naissance de ton enfant, de ton fils. Ouais, donc on va arrêter en vrai. Et puis c'était un peu n'importe quoi, mais George a presque failli... presque failli, quoi. Allez, nous rentrâmes à la maisonnée. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Toi, ce sera pour la prochaine. Qu'est-ce que tu fais? Ah, genre, tu peux pas aller dormir. Ouh, je vais m'énerver, je vous jure. Non, mais on rentre à 5h du matin, il n'y a personne qui dort. Non, non, mais tu vas pas dormir là, tu vas dans ta chambre. Oh, je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Heather. Amalia? Non. Alors. Chelsea, tout va bien dans ta vie, Chelsea va dormir. Amalia, ma belle. T'as commencé à pousser? Ouais. Mal à l'aise, en train de... Allez, quoi? C'est déjà le moment, c'est 18 minutes. Dis-moi pas que c'est pas vrai! J'ai pas eu l'annonce! Il est où le bébé? Oh là 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 là! Allez, bah, viens ici! Viens ici, George, je peux. Andrew, ça y est, je ne sais plus comment il s'appelle! Il y en a trop! Et le moment tant attendu! Amalia va avoir son bébé! 4e, Bridgerton! Oh, est-ce qu'on va enfin avoir un garçon? Regarde, Andrew! Il s'en bat les couilles! Si, ça y est, regardez-moi cette lueur. Quoi? Enfin un garçon. Punaise, je vous jure. J'ai peur. Oui! C'est un garçon! Yes! Oh mon dieu! Enfin! Waouh! Hop, punaise. Il s'appellera Donald, parce que ça m'a fait rire. Et c'est vrai que Donald, pour l'époque, il n'y avait pas encore le McDo, hein. Donc clairement, ça reste dans l'idée. Donc Donald Bridgerton, notre fils. Oh la vache, enfin! Mon dieu! Oh, je suis trop contente. Bon, il n'y en a qu'un. Quand même, faut consolider l'histoire avec deux, parce que sinon... Parce que sinon, imaginez, il m'arrive à la mort subite du nourrisson, et bah c'est ciao, il faudra recommencer. Bienvenue dans cette petite maison, Donald. Ça sera ton héritage. Oh, regarde ton fils, Andrew, enfin. Oh là là, si je suis pas mignon. Oh là là, mon garçon. Tu vas enfin porter le nom de Bridgerton. Et tout ça. Ouais, tu pourras ne rien faire de ta vie, tu seras riche. Il est là, notre fils, avec des yeux verts. Voilà, magnifique. Il y a nos gamines qui sont soit encore debout, soit toujours debout. Ou déjà debout. Putain, j'ai un vase qui se balade. Mais ouais, mais les vases, on peut les embarquer n'importe comment. Donc moi, je les prends, je les dépose. Je sais pas où je les ai pris, mais je les pose n'importe où. Hein. C'est saoulant.
Déjà debout, Face. Bien sûr, va pisser dans la chambre de ton... Pourquoi vous dormez pas vraiment de dormir? Pourquoi vous dormez pas de dormir? Oh, c'est pas possible avec leur sieste. Ouais, nous avons aussi notre Lady Juliette qui se lève. Pour Danette, allez, va prendre un bain. Ouais, je sais, ma blague a été bonne. Ouais, je sais, elle était bonne, ouais. Ah oui, il est 10h déjà? Ah oui, il faut se lever. Peut-être. Peut-être qu'il va falloir se lever toute la famille. Parce que j'ai pas vu passer l'heure. Je t'assure pour ton anniversaire avec plaisir, automne. On sent la mauvaise humeur pour la petite Aizur. Parce qu'elle est... elle est légitime, oui. Alors que Andrew nous tape sa meilleure beubarde de bûcheron. Presque à la retraite, les confidences de Lady Whistledown. Pour ceux qui n'étaient pas présents au bal de Bridgerton la semaine dernière, vous avez raté une soirée vraiment remarquable. Des hors d'œuvres parfaitement préparés, des commérages des plus juteux et une belle danse pour une soirée qui ne sera pas oubliée de sitôt. Mademoiselle Lady Juliette Bridgerton a fêté son anniversaire cette semaine. Souhaitons un joyeux plus joyeuse. Mademoiselle Lady Juliette Bridgerton. Mademoiselle. Quand même, elle a été mariée, elle a eu 8 gosses. Mademoiselle, quand même. Ça puire un peu par ici, non? Oh merde, on a Donald! Ah punaise, je viens de capter Donald Trump. Oh l'enfer! Bon, Donald pleure. Maman! Maman, viens donc le voir. Tout doucement, mon petit héritier. Oh, et voilà, regarde. Tout ce que tu vas posséder, toute la thune qu'on va te laisser. Hein, vraiment? Arrête de chialer maintenant. Et bouffe mon nichon. Notre moment Andrew Poilu. Bûcheron de son état. Ah oui, alors les poils ont un peu changé parce que j'avais enlevé le mode qui changeait les poils. Parce que, tout simplement, j'avais des problèmes pour les partager après dans la galerie et je ne l'ai pas remis, visiblement. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais alors ils viennent tous dans la salle de jeu pour se divertir, mais vraiment. Alors je sais pas si on déclare tout de suite à notre George National son intention de se marier. Je pense pas, parce que sinon il va y avoir une horde de demoiselles qui vont toquer à notre porte, des pots gratuits, tout ça. Bon, c'est pas dingue. Et puis il est trop jeune, quoi. Je veux dire, il va peut-être profiter de la vie avant. Et vous, très cher Face, des nouvelles de votre Carlos? Même pas. Ah, par contre, ce que tu peux faire, c'est où le devant, le derrière, moi je sais plus. Ah, il est où le cucu? Elle est où la tête? Nous avons Darla qui arrive. Tiens, regardez si t'as des invitations. Peut-être. Allez, vérifie si t'as des invitations. Coucou Darla, didada, dirla, dada. Tu vas bien? Ma petite Aizur est enragée. Tu vas sûrement pas écraser la maison des enfants. Tu vas aller courir. Oh, regarde Darla. Nous aussi, on a réussi à faire un garçon. Quand même, il était temps. Hein. On a enfin eu la recette. Les petites rentrent de l'école. Elles ont ramené une copine. Oh, mais c'est leur cousine, c'est Madeline! Elle a déjà grandi comme ça? Oh, qu'est-ce qu'elle ressemble à sa maman! Je vous rappelle, Madeline, bah, c'est la fille de... Éléonore! D'Éléonore et Alex Welton. Présentation, oui, bah oui, quand même, vous êtes cousines, les filles. Vous êtes Zinkou, alors, il faut faire la teuf maintenant. Voilà, comme ça, elles seront copines, les cousines. Chelsea est complètement laissée à l'abandon. C'est la majordome qui lui raconte une histoire, mais à la fin, elle pue, elle se fait chier, enfin, la pauvre gamine, quoi. Maman, bah alors, occupe-toi de ta fille, quand même, pas que je lui mets un savon sur le fio, alors. Eh ouais, Darla, ça... Attendez, combien, Darla, en fait, là, parce que... Ça commence à faire pas mal. Darla, 4 enfants et demi. Ouais, 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 puis ça commence à grandir, hein. Bess, Archibald, Adam, Connor... Eh ben, ça commence à faire. Lady Juliette, waouh, l'arbre généalogique de taré mental. 4 et 4 et 3 et 2 et 2. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a toujours une seule rousse, c'est la petite Shadia. Qui, à mon avis, comme j'avais dit déjà, une adoption. La petite Paige a grandi. Et la reine est toujours en vie d'ailleurs. Ce qui est bien aussi, hein. Et puis c'est magnifique, hein. Vous imaginez, heureusement que je vais pas m'intéresser aux enfants, des enfants Bridgerton, parce que ben, on pourrait faire ça pendant des siècles, hein. Je sais que ça vous intéresserait aussi, mais bon, après moi je me calque beaucoup sur la série, et clairement je ne sais pas du tout où on en sera quand c'est censé être les enfants. La façon de vivre et tout ça, ça doit être complètement changeant, quoi. Voilà, la petite, on s'en occupe enfin.
Ça va aller mieux. Alors que Trump repleure. Ah ouais? Tu te fais des petits cocktails, toi? Très bien. Ouais, c'est ça, oui. Oui, maman, bah tirapis, c'est un préoccupe-toi de Donald avant, stop. Super, la cousine qui s'amuse dans les débris des incendies. Comment ça, ça va être déjà l'anniversaire de Chelsea? Mais elle vient de naître. Enfin, presque. Bon, bah pour le coup, j'avais eu l'intention au début d'épisode de faire un bal, mais bon, tout est parti un peu trop vite dans tous les sens. Pas de bal. Et tout le monde, enfin, il y a déjà, il y en a qui sont partis se coucher. Dont le pauvre Andrew, parce que vraiment, il est fatigué. C'est ça d'avoir un enfant, un fils notamment. La montagne de vaisselle, bravo. Bon, la petite, elle est pas contente parce qu'elle a la dalle. Qu'on n'a plus à manger. Ah merde, alors on va être obligé de resservir et tout. Comme ça, la petite, elle va pouvoir manger et pouvoir aller au dodo comme il se doit. Et c'est presque un miracle, mais à 1h du matin, nous avons que les deux derniers bébés qui sont encore debout. Et tout le monde est couché. Mais quel plaisir! Oh oui, ça c'est un plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et les aventures des Bridgerton. Peut-être un nouveau rencard pour notre Face. Peut-être des sorties pour notre petit George. Et puis, de l'amour. Toujours, l'amour, les mariages. Ça, on saura la prochaine fois. Ciao!